Je suis Thomas, membre du chœur de l'Opéra de Lille, baryton. Être membre d'un chœur, c'est faire partie forcément d'un groupe. Le chœur de l'Opéra de Lille, c'est une sorte de géant qui est représenté par plusieurs entités qui n'en font plus qu'une. On travaille sur le son, on travaille sur la mise en scène forcément. Donc voilà, c'est cet ensemble en fait qui ne fait qu'un. Le chœur de l'Opéra de Lille intervient en général sur deux productions par saison à l'Opéra de Lille, sur les grandes productions lyriques. En plus de ces productions lyriques, le chœur de l'Opéra de Lille organise au moins une ou deux séries de concerts. Nous sommes 24 à nous produire dans ce type de concert. Le répertoire est recherché. Il est travaillé par Yves Parmentier, notre chef de chœur, pour être accessible au plus grand nombre. Ces programmes peuvent se faire à la fois dans la maison, donc sur le plateau de l'Opéra de Lille, mais se réalisent souvent aussi plutôt dans la métropole lilloise, dans des petites villes, dans le cadre des belles sorties, et se réalisent aussi dans la région des Hauts-de-France. L'Opéra de Lille, très fréquemment, nous appelle, nous, en tant qu'artistes des chœurs, pour intervenir dans le cadre d'actions de sensibilisation, de médiation, auprès de tous les publics. Donc on peut à la fois intervenir auprès des scolaires, on peut intervenir dans des EHPAD, pour montrer que l'art lyrique, c'est un répertoire accessible, qui n'est pas ouvert qu'à un nombre d'initiés. Et aussi, dès qu'on peut faire chanter un groupe, c'est toujours cet amour de l'art lyrique, de l'art vocal que l'on essaie de transmettre. Pour pouvoir devenir artiste des chœurs, donc à la fois devenir artiste lyrique mais artiste des chœurs, j'ai fait des études de chant. Je suis rentré au conservatoire, j'étais déjà musicien auparavant, donc j'étais saxophoniste. Et on m'a dit, tu as une belle voix, tu devrais peut-être penser à prendre des cours de chant. De fil en aiguille, on prend des cours de chant, on envisage peut-être le métier, on se pose des questions et puis un jour on passe les auditions et on devient artiste des chœurs. Pour être un bon chanteur dans un chœur, il faut accepter à la fois d'exister et de s'effacer. C'est-à-dire qu'on existe en tant qu'entité, mais on existe aussi en tant que cellule dans une plus grande entité. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est être en capacité de ne plus exister pour faire exister le groupe. Ce que je préfère, honnêtement, c'est jouer. Jouer et chanter en même temps, c'est passionnant. On est dans l'art total, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le théâtre, on est dans la musique, on a des décors autour, l'opéra, ça représente tout ça. Depuis mes 17 saisons quand même en tant que membre du chœur de l'Opéra de Lille, il y a beaucoup d'opéras qui ont été passionnants. Quand on a réalisé Jules César de Handel avec le concert d'Astrée, les mises en scène, le travail de chorégraphie, quand on devient des zombies, c'était passionnant. J'ai la chance de faire dans ce métier-là ce qu'on rêve tous d'être, c'est-à-dire de rester enfant. On a toujours rêvé de pouvoir faire ce que les enfants font, c'est-à-dire qu'on joue. On s'amuse, c'est notre métier, on s'amuse mais on le fait avec passion. C'est un jeu dans le travail, donc forcément quand on ressort de là, on est heureux.